Méditation du 5 février, rencontre avec Jésus, une feinte d'amour. Lorsqu'il fut auprès du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Luc 24, verset 28. Deux personnages que nous, les lecteurs des évangiles, n'identifions probablement pas comme étant des disciples habituels de Jésus dans les récits précédents, parcouraient les 12 kilomètres entre Emmaüs et Jérusalem. L'histoire de ces personnages et la nôtre ont beaucoup de similitudes. Souvent, nous marchons tristes, les yeux chargés de larmes et les mains chargées de déception. Souvent, nous ne sommes pas les acteurs de grands événements mémorables. Nous ressemblons à ces hommes, à des personnages secondaires. Mais Dieu peut toujours utiliser 12 kilomètres pour nous réveiller et nous rappeler les vérités qui sont dans sa parole. Chaque jour, il s'apprête à faire cette marche avec nous, même lorsque, comme ses disciples, nous marchons en nous éloignant de lui. Il nous demande de réfléchir et de réaliser que celui que nous attendons est en fait à côté de nous. Par nos paroles, nous pouvons souvent et sans nous en rendre compte que les choses se réalisent vraiment comme elles devaient et pourtant nous restons surpris. Et déçus, comme si nous ne connaissions pas notre Sauveur. Ces hommes avaient écouté le témoignage des femmes qui étaient allées au sépulcre, mais rien ne semblait leur suffire. Jusqu'où exigeons-nous des preuves de notre raison? Avec amour, mais d'une voix ferme, Jésus les a réprimandés et a plus tard fait mine de vouloir poursuivre sa route. Si les disciples n'avaient pas insisté, ils n'auraient pas su que leur compagnon de voyage était le Seigneur ressuscité. Le Christ n'impose jamais sa présence à personne. Il s'intéresse à ceux qui ont besoin de lui. Il se fait un plaisir d'entrer dans la maison la plus humble et de réjouir le cœur le plus simple. Mais il passe outre lorsque les hommes se montrent indifférents envers l'hôte céleste et qu'ils ne l'invitent pas à rester avec eux. C'est ainsi que plusieurs subissent une grande perte. Ils ne connaissent pas mieux que les disciples de Christ qui les accompagnaient sur le chemin d'Emmaüs. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 83, page 716, livre écrit par Ellen G. White. Aujourd'hui, il te donne 12 kilomètres pour qu'en sa présence, tu puisses te souvenir de qui il est, pour que ton cœur brûle, pour que tu l'invites à rester avec toi encore un peu plus longtemps et que tu puisses courir, peu importe les distances, pour témoigner qu'il est vivant. Ne laisse pas passer l'occasion. Bonne journée à toi et que Dieu te bénisse.